Bien, salut tout le monde, c'est Zinis, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo glitch sur GTA 5 Online, en mise à jour 1.23 et 1.25. Donc ce glitch consistera à changer la couleur du t-shirt que vous souhaitez. Donc là je vais vite me rendre à l'intérieur, voilà. Donc là vous allez vous rendre devant le comptoir. Donc moi je vais prendre une tenue, moi j'avais déjà sauvegardé une tenue avant. Donc j'avais pris celle-là, donc c'est le t-shirt de boss. Donc il est dans les hauts spéciaux. Donc voilà, tac, hauts spéciaux, il est ici. Donc déjà, il faudra prendre la tenue, le t-shirt que vous souhaitez. Il faudra vous rendre au comptoir, faire carré. Et là, il faudra choisir un endroit que vous souhaitez. Par exemple, là, il me reste que deux dans test. Je l'avais appelé test. Donc là, je vous faites OK. Vous l'appelez comme vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. Une fois le t-shirt que vous changez, que vous voulez changer de couleur, donc moi c'est la couleur boss que je vais changer, donc le blanc j'aime pas trop. Par exemple je vais dans les hauts, je vais dans t-shirt, je prends la couleur que je souhaite. Donc voilà, on va prendre du rouge. Vous sélectionnez le t-shirt de la couleur que vous souhaitez. Là vous retournez devant la vendeuse et là vous allez voir, vous allez sur votre tenue sauvegardée, vous allez faire rond. Et là vous voyez très bien que mon t-shirt est en rouge maintenant. Donc c'est plus beau qu'avant moi je pense. Donc là on va faire inventaire, on va vite fait pour vous montrer que on peut changer toutes les couleurs, on peut mettre toutes les couleurs par contre. Voilà, donc on retourne dans les hauts, t-shirt, je m'arrête comme ça, tac, stop, voilà. Ouais, il était déjà en blanc, ça sert à rien. Tac, non. Eh bien on veut pas. Non. Voilà. Bon, je vais prendre du gris, ça n'a aucune importance de toute façon. Donc là, on va faire la même manipulation. On va retourner devant la vendeuse. Tenue sauvegardée, test. Là, vous enlevez. Et là, vous voyez qu'il est gris. Donc franchement, il est plus stylé en gris. Que gris et noir, ça le fait. Donc voilà, on s'approche de la fin de la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde.